soir, c'est un défilé de mode qu'on peut faire. Nos assiettes arrivent et il faut que le client tombe amoureux de cette cuisine. Et je crois que ça fera 20 ans que le guide Michelin est tombé amoureux de mes plats. Dans nos recherches et développement, on travaille un peu comme dans la haute couture. L'important pour nous, il faut qu'on soit toujours dans un mouvement culinaire. Quand je construis un plat, j'aime avoir une petite pointe d'acidulé, j'aime ce côté fondant, j'aime ce petit croquant que je mets dans les assiettes. Et surtout, j'essaie de trouver une saveur. Une saveur en disant, la personne qui va goûter ce plat, elle va dire, mais derrière il y a un artiste. Un artiste du bon goût, de l'élégance, de l'art de vivre à la française. On est un chef de palace, nous avons une clientèle internationale qui arrive avec différents pays bien sûr, mais avec différents palais. Comme on va dire un parfumeur, on va mettre un peu plus corsé, un peu plus pimenté, moins salé. Venez faire une expérience au Georges V, venez dans un palace où le temps s'arrête. Nous sommes des artisans du bon goût à la parisienne.